Eh bien, c'est tout le nom de Sekira pour mon premier tutoriel. Comment enlever les flèches des raccourcis comme ça. Donc les petites flèches qui sont en bas à gauche des raccourcis. Donc tout d'abord, il vous faudra WinRAR. Donc le lien sera dans la description. Donc si vous voulez en 32 bits, vous cliquez sur 32 bits. Sinon, si vous êtes en 64 bits, ben, vous cliquez sur 64 bits. Ensuite, il va nous falloir un petit logiciel donc, qui s'appelle Windows Shortcut Arrow Editor. Donc vous cliquez sur Download. Le lien sera également dans la description. Vous aurez une petite archive, donc vous l'ouvrez et vous allez extraire le dossier sur le bureau. Ensuite, vous allez ouvrir le fichier. Si vous êtes sur Windows 7 ou Vista, vous cliquez sur Windows 7 en Vista. Si vous êtes sur Windows 8 ou Windows 8.1, vous cliquez sur Windows 8. Ensuite, si vous êtes en 64 ou en 32 bits, donc les 32 bits c'est x86, je le rappelle, et les x64 bits, ben c'est les fois c'est 64 bits. Donc moi personnellement je suis en 64 bits, donc double clic, et dedans vous avez un petit programme et vous allez l'ouvrir. Donc un droit d'administrateur est demandé, vous faites oui. Là vous avez une petite fenêtre. Donc si vous voulez les petites flèches comme ça, si vous en voulez pas, vous faites no arrow. Donc moi je fais no arrow. Voilà. Donc le bureau va se relancer. Mais cette fois, vous allez pouvoir constater qu'il n'y a plus les petites flèches. Voilà. Donc maintenant vous pouvez fermer le programme. Fermer l'archive. Et voilà. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Et vous dis à la prochaine pour mon prochain tutoriel. Allez, salut tout le monde.